Nous pensons que les produits pétroliers qui ont été déversés dans la mer ont atteint l'île de Sécrète et que ça va rentrer dans l'écosystème affectant à la base les insectes et les invertébrés. Et de fil en aiguille, ça va affecter nos oiseaux, nos reptiles. Ça pourrait même affecter nos plantes qui accumuleront ces produits nocifs. Dès qu'il y a eu le déversement d'huile en mer, nous avons pris des actions immédiatement. Tout d'abord, pour enlever les plantes et les plantules qui étaient en voie de disparition, qui sont en voie de disparition et qui étaient dans notre pépinière. Et au cours des prochains jours, on allait retirer presque 4000 plantes. La plante que je tiens entre mes mains, c'est le vacois. Et c'est une espèce en danger critique. S'agissant des animaux qu'il y avait sur l'île de Sécrète, nous parlons de plus de 700-800 individus qu'il fallait déplacer, et ce sont des animaux qui sont sauvages. Mettre en captivité tous ces animaux sauvages ou même les relâcher dans un milieu qui leur est étranger allait comporter plus de risques que de les laisser sur l'île de Sécrète. Nous avons enlevé des espèces qui sont en danger critique de disparition ou en danger de disparition pour pouvoir sauver un petit reliquat de ce que ces animaux représentent en termes de génétique. On a aussi dû faire un sauvetage de 12 oiseaux à lunettes, l'oiseau le plus menacé de Maurice. On a aussi fait le sauvetage de 6 cardinaux de Maurice. On a fait beaucoup de progrès dans la conservation et la restauration de l'île de Sécrète et des espèces qu'on a réintroduites sur l'île ou qu'on préserve sur l'île. Mais avec le Wakashio, on a fait quelques pas en arrière. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de continuer à consolider l'écosystème, les espèces et penser à la dépollution de l'île aux Sécrètes au-delà de ce qu'on faisait auparavant, qui était la restauration de l'écosystème. Il faut savoir que durant les 10 dernières années, on a eu 6 bateaux qui se sont échoués dans nos eaux. Et la différence, c'est que Wakashio a été le premier où on a eu un déversement d'huile important. Il est à craindre qu'on aura d'autres échouages et d'autres déversements d'huile. Mais c'est là qu'on devrait être plus préparé.